Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Tuto Facile France. Aujourd'hui on se retrouve donc pour le chapitre 11 du gameplay de The Evil Within, donc sur PC. Alors certains m'avaient demandé de mettre les sous-titres, j'ai pensé à vous, j'ai mis les sous-titres. Pardon. Qu'est-ce qu'il y a là? Oh yes, un petit gun. Ah, un magnum? C'est bien ça. Pas des armes en plus. Ah, donc dans cette partie j'ai deux armes en plus, vous avez pu peut-être le constater, c'est-à-dire le lance-roquette et la mitraillette. Lance-roquette qui peut être pratique, la mitraillette faut aller loin d'être terrible. Enfin moi personnellement je la trouve pas terrible. Et je les ai eues en bidouillant un petit peu on va dire. C'est des éléments débloquables en finissant le jeu. Je les ai eu un petit peu avant. Ah bon, très peu de munitions pour ces armes là, voire jamais, quasiment. En fait, si vous voulez, j'ai refait le niveau d'avant avec ces armes pour voir. Et ouais, c'est pas les. Franchement, elles sont pas. Je préfère autant celles d'origine. Yeah.
Forcément, j'avais même pas fait gaffe qu'on pouvait les éclater. Ah. Ah bah comme ça. C'est réglé. J'avais jamais fait gaffe, puis j'avais jamais fait gaffe que ça explosait aussi par la même occasion. Donc c'est reparti. Comment il a reculé? Oh, t'es mort. La munition. Dégage. C'est bien, tu tiens pas debout. Il est en train de bouffer. Allez. Il reste plus qu'une balle, on va attendre qu'il arrive. Allez, viens. Et merde. Putain, je suis pas visé avec ce truc là. Oh, l'intelligence même. Quel Google. Je vais vous montrer la mitraillette. Comment que c'est nul. Moi perso, je le trouve pas terrible. Ça vise un peu partout n'importe comment. Puis ça part trop vite. Ça sert à rien. On va se barrer. Allez hop. Okay.
Oh non, ça c'est genre, c'est bien le pire truc que j'aime pas dans les jeux. C'est quand tu dois nager dans des trucs où tu vois pas ce qui va te tomber dessus. Ah, j'aime pas ça. Ouais, je sais pas, je vais tirer sur un cadavre, je vais courir. En espérant qu'il bouffe le cadavre en premier. Dépêche-toi et cours pas. Enfin, nage. Allez, monte. Dépêche-toi. Oh non, j'aurais peut-être pas dû y aller maintenant. Allez, vite, 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 si c'est bon. Allez, allez, allez. Bon, c'est reparti. Allez, go. J'aurais peut-être dû faire les deux. Bon, c'est juste à côté. Oh, et puis là, mon cul. Vite, vite, vite. Dépêche-toi. Chaud pour ton cul. Je ne retournerai pas dans l'eau. Ah, tu si tôt. m'étonnes. Je serais pareil, je crois. Ah, je crois bien que tu vas pas avoir le choix. Ce serait un peu trop beau qu'on le croise qu'une fois. Putain, ils ont pas autre chose à me donner que des allumettes. Je m'en fous des allumettes. Ça sert à rien la plupart du temps. Quand tu peux les cramer, ils sont déjà morts. Alors, qui c'est que c'est? Je mors. C'est quoi au juste ah, une copie? Ouais, c'était pas le vrai. Je me disais bien deux coups pour le tuer. Bon, allez, go. Inspecteur, est-ce que ça va? Vous vous rendez bien compte que personne ne viendra me remplacer. Putain, c'est pas vrai, ça va pas commencer à rebugger encore le son. Je suis désolé, si ça bug comme ça va pas bugger plus de 2 minutes.
Ah, c'est chiant. Ah, je suis vraiment désolé, hein, mais ça va pas durer très très longtemps. Hein. Le bug de son nom de jeu, là, ça devrait s'arrêter assez rapidement. Ouais, ça a l'air d'être bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Putain, le nombre de zombies qu'il y a dans cette cage. Il va me falloir de la munition. Là. Putain, il n'y a rien. Eh merde. Dégage. Cours. Mais... Eh mais putain, mais c'est pas vrai. C'est ça? Ben non, c'est pas ça. Putain, mais je fais n'importe quoi. C'est que j'en ai plus en fait. Aïe aïe aïe. Chamboulé. Il va me saouler lui. Eh mais... Putain, ça sert à rien. Putain, mais même pas il bronche. Vraiment pourri cette arme.
Allez, descend. Elle est inutile cette arme. De loin ça sert à rien, au moins de super près. Il y a même pas où tu exploses. Il y a un peu trop de trucs à mon goût là-dedans pour qu'il se passe rien. On va tout charger. Et on va s'attendre au pire. Des bidons un peu partout. Ah putain de barre de merde. Eh merde, putain. Putain, mais il m'enlève la moitié de ma vie avec un truc, là. C'est pas vrai, ça.
recommence. Cette fois-ci, je vais pas faire la même connerie. On va prendre des grenades. Oula, je l'ai jeté où? Putain, grenade de merde. Me le foutu leur truc. Il est pas mort. Là. Tiens, prêt. J'aurais pas le temps de te crever. Bon, alors. Ouais. Faut que je cours. Mais non, courir. C'est ce que c'est courir. Voilà. Tout ça pour deux balles. Ah non, ouais, faut pas que j'aille dans l'eau encore. Non, non, non. De toute façon, il va falloir y retourner, c'est obligé. J'ai pas pigé là. Grenade dans le distributeur de boissons. Enfin une bombe. Il n'y a plus. Vas-y là. Elle bouge. Putain de siège de merde. Et quoi là? Y'a rien à prendre. Non. Allez hop. On s'en va. Faire la même là, on va y aller une fois un par un. Un par un, j'ai dit. Ouais, ouais, d'accord. J'ai dû appuyer comme un bot tout à l'heure. Je l'ai fait exploser direct. Ok. Mais non. Kidman?
rien à prendre. C'est des boîtes allumées. Putain, mais putain, mais merde. C'est pas possible, tu peux me filer des balles au lieu de me filer des allumettes. Ouais, t'es dans la merde. Toi. Je ferais mieux d'aller l'aider. Ouais. Il est là lui ou pas? Est-ce qu'elle est là, la bête? Ouais. Oh non, elle est là. Oh. Faut que je fasse quoi alors? Faut que j'aille là-bas, mais il va. Ah ouais, d'accord, faut que j'ai le bon timing. Ouais. Non, j'ai un truc à faire pour qu'elle se relève. Ah non. Allez, go. Vite, 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 passe au haut. Allez, allez, nage, nage, nage. Bon, ça a l'air d'être bon. Ouais. Ah oui, forcément, elle va se rouvrir après. Hey, dépêche-toi. Kidman, j'arrive. Au secours, ils sont trop nombreux. Je suis comment? Ouais, faut que je retourne sur la plateforme. Allez, monte là. J'espère que j'aurai le temps. Allez, dépêche-toi. Go, 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 go. Allez, nage plus vite. Vas-y, monte maintenant. Et non. Ouais. Vas-y, vas-y, et j'en profite. Allez, vite, 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 vite. Enfin, ça va être chaud là. Oula. Vite, vite, vite. C'était chaud. Chaud, chaud. Bon, voilà. Et voilà. Comme ça, c'est clair. Bon, je vais y aller à la grenade. Ça fait du ménage. Et merde. Munitions.
Mais je suis un poulet, moi. Kidman, c'est moi. Si vous n'étiez pas venu... Ne vous relâchez pas. Il y en a sûrement d'autres dans les parages. Attention ! Je peux rien faire. Allez, ils sont ton arme. Hey. Putain, tiens une bouteille. Excellent. Merci. Mais où tire à travers là-haut. Mais merde là. C'est quoi le jeu pourri là. J'ai le la main, ça ira plus vite. Putain, mais il me saoule avec leurs allumettes tout le temps, là. On s'en fout des allumettes. Ça fait plaisir de vous revoir. Depuis l'église, je... Vous étiez à l'église? Ouais, avec Joseph. Il était dans un sale état avant qu'on soit encore séparés. Vous êtes mariés? Vous avez vu le garçon de l'hôpital? Leslie. Je l'ai libéré d'une cage, mais il a filé ensuite. On voit tous des trucs bizarres depuis qu'on est là. Vous avez eu des saignements de nez, des maux de tête? Non. Pourquoi? Joseph, si. C'est comme s'il était en train de devenir un de ces monstres. Peut-être que ça n'affecte pas tout le monde. Ah bah si, tiens. Sébastien, qu'est-ce qui... Ok. Bon ben on jouera pas en zombie. C'est déjà un point. Négatif quand même. Qu'est-ce qui se passe? Vous m'avez tiré dessus? Vous commenciez à vous transformer en monstre. Vous m'avez attaqué. Désolé, mais vous êtes infecté. Il pourrait se servir de vous pour m'arrêter.
Attendez, de quoi est-ce que vous parlez ? Merde ! Merci. Ouvre la porte. Ouvre la porte. Ouvre la porte. Leslie ? Leslie, c'est toi ? Leslie, c'est bien. Encore un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a ? Ruvik ? À l'aide ! À l'aide ! À l'aide ! À l'aide ! Hey ! Ça, c'est clair. On va y aller plus discrètement cette fois. En même temps, je suis débile, il dit au début.
faut que je trouve une clé. Bon, une clé. J'aurais pensé que je n'aurais plus chier à récupérer que ça. C'est quoi, je sais pas où tu vas. Oh oh, cours, cours, cours. Allez, dépêche-toi. Allez, allez, allez. Ton pote Joseph. Ton pote Joseph. Voilà. Faut pas retourner dans l'eau, j'espère. Moi je me rentre pas dans l'eau. Ouais, il y a un petit escalier, c'est bon. C'est un peu tiré par les cheveux, comment ça tient ton truc là, hein?
Ah, son pote. Ok. Bon. Ben, c'est la fin du chapitre 11. J'espère qu'il vous a plu. Bon, c'était pas le plus mouvementé. Je pense qu'on se rapproche de la fin du jeu. Donc, ben, on se retrouve sûrement très bientôt pour un prochain épisode ou une vidéo sur GTA ou autre. Salut à tous!